Mon dieu. Je l'ai vu trop tard. Alors, je sais pas si t'as vu justement, j'ai fait une référence au timide dans la vidéo. Ça peut être justement une bonne manière de vaincre ta timidité. Hein. Parce que au pire des cas, en fait, faut te poser la question. Qu'est-ce qui peut t'arriver au pire des cas d'après toi, Junior? C'est comme ça qu'il faut le voir, tu vois. Dans le pire des cas, qu'est-ce qui peut se passer? Faut savoir qu'il y a des gens méchants sur Twitch. Il y a des viewers, bah voilà. C'est ça, tu vois. Il y a des gens méchants, mais ils seront de l'autre côté, ils sont sur leur PC, ils pourront rien faire, tu vois. Et... C'est pas ça? Anneau du Ronin, c'est bon. C'est ça, voilà. Les gens qui sont vraiment méchants, parce qu'il y en a... Tu peux les ban et hop, t'es tranquille. C'est magique. Ok, 24. J'ai tellement d'âme là. Salut Pouki, comment vas-tu? J'aimerais ne pas connaître un décès. Coucou Megatron 2. 23? Ah oui, 23, autant pour moi, Enzam. 23, tu as raison. Encore 6 anneaux manquants. 7 anneaux manquants. Je suis rentré à la grotte des larves, j'arrive. Oh putain. Il y a des bim bam boum. Attends, putain. Comment on remonte déjà? Attends, on peut remonter? C'est où qu'on remonte? Merde. Je sais pas par où on remonte avec tout ça. Là? Non. Oh! Ah bah voilà. Bon bah maintenant ce soir, Pouki, si t'es fatigué, tu ne fais pas de sieste. T'y vas le dispaire. Et puis voilà. Et tu kiffes toujours autant, mais quand tout, toujours aussi bien. Putain, je sais pas comment remonter par contre. Toujours aussi chouette à reparcourir ce FF. Ah, c'est là aussi dommage qu'il ait pas gagné. Après, c'est cool de faire Last of Us. Comment on remonte? Non, je vais trouver où remonter. Oh pétard! Yes, absolument, Junior. Pour récupérer le flux de ta console, en fait. Il va falloir un boîtier d'acquisition. Après, si t'as pas du tout de PC, faut que t'achètes un boîtier no PC. Faut que tu te renseignes un peu là-dessus. Hein. Putain. Oh là 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 là, comment on remonte, putain? Non mais. Délire! On peut pas remonter ou quoi? On peut forcément remonter quelque part, mais alors où? Là, ça me ramène ici. En remontant. Putain. Je tourne en rond en fait là, c'est. Yes! Mais il manque que. Tu sais qu'il manque que les anneaux, Pouki, hein. Et j'ai déjà. Il me manque plus que 7 anneaux. J'en ai déjà eu. Ah putain, j'en ai déjà eu 2 depuis ce matin. Sachant qu'on a pu voir qu'il fallait tout sur un seul et même personnage, Pouki. Tu peux pas les cumuler sur plusieurs persos. Bah écoute, je sais pas. Je ne sais pas. Je vois, je suis peut-être bloqué à tout jamais ici. C'est un délire quand même. Délire quand même. On peut remonter ou pas? Non mais on peut remonter? Ouais, vas-y si tu veux. Ici peut-être? Ah non, bah c'est la petite grotte. Ouais, vas-y, écoute, hein, je ne trouve pas la sortie. Truc de ouf, coucou Soran. Fallait me faire manger aussi vu l'heure. On va faire le boss et j'allais me faire manger vite fait. Ça va être en dèche aussi les pises, ouais, un truc à prendre. Mais ouais, Junior, il va falloir que. Il va te falloir donc. Après, tiens, un truc important, tu le fais sans guide. Non, je le fais avec un guide, Pouki. C'est juste que je trouve pas comment monter d'ici. J'ai eu l'anneau là.
Pouki, tu es en train de faire une... T'es en train de faire une... Tu sais, les mecs qui prennent en cours, là, Pouk. Fais pas ton connard. Tu vaux mieux que ça, Adrien. Pitié, pas toi. Donc, non, non, ça va me saouler, là. Non, non. Suis. Vas-y, je te suis à Sobura. Attends, comment on remonte, bordel? Montre-moi le secret. Ici, j'y suis allé. Ouais. C'est une natte. J'y suis allé ici aussi. Ouais. Ouais, là, on revient dans la grotte. Il est passé où, Asso? Il a disparu? What? T'as disparu? What? Ah, t'es là. Putain, il avait... Ok, et donc? Ah, putain, ok, on pouvait aller à gauche, là, j'avais pas gaffe, les gars. D'accord. Putain, je t'avais pas vu partir. Allez, go le boss. Et parce que ça augmente mes dégâts magiques, Natamaniac. Je suis plus puissant avec ça. Go, go le boss. Attends, je suis plus paru. Oh putain! Non, Asso, t'es. Oh, t'es le pire des joueurs, t'es retourné en explosion. Ah putain, t'es le pire des joueurs. Bon, bah, je t'attends. Il te fait une big pile. Là, je t'attends devant le boss. Non, je vais vider jusqu'au boss. Hein. Vive le caca alors. C'est ça, c'est du caca magique. Wow. Pauvre Asobura. Après, tu l'as déjà fait ou pas le boss, Asso? Tu l'as déjà fait, te fais pas chier. Hein. Je te reprends pour un autre truc. Est-ce que tu l'as déjà fait ce boss, Asobura? Parce que le boss, pour le coup, vaut mieux que je le fasse en solo avec ma technique. Hein. Si t'as vraiment tout fait, ça sert à rien que tu viennes pour le coup. Et on se rejoint pour un autre truc. Oui, mais je veux venir. Oh putain. Vas-y, viens. Si on wipe à cause de toi, ça me rend ouf, hein, je te préviens. Parce que moi, le boss, il va être plié en 15 secondes. Hein. Ça va être débile. Hein. Et donc je fais, donc ouais, Pouki, je suis en train avec un guide, hein, de faire pierre derrière, le boss? De quoi pierre derrière, je comprends pas, bah oui, je sais qu'il y a une pierre sur le boss, une archipierre, c'est un boss. Je comprends pas. La tienne. What? Tu es la mise où? Ah, ton signal, c'est un signal, d'accord, signal d'âme. Ah oui, ok. Ah, tu y es déjà? Comment ça se fait? Ah oui, c'est tout vite chez toi, non? Ah non, tu t'es pé sur le boss et t'es revenu en arrière. Et oui, comme ça, tu es en 2-2. D'accord. Oui, je suis con. Là, c'est moi qui suis con, pour le coup. Yes. Effectivement. Bon, ça. Allez, zouf. Ouais, mais foutu de pouce. Ah oh, putain. Ouais. Asso, avance là, à gauche là. Voilà. Oh là là. C'est un gros cul, quoi. Bon. Alors. Tiens, petite cinématique, ça va être trop classe. Ça. Je vais me faire à manger après ce boss, moi. Je vais me faire un truc qui n'a aucun rapport. Je vais me faire du quinoa. Avec quinoa boulgour haricots rouges avec des gyoza frits. On fait sneaky. Hein. Tu vas voir en fait. Tiens. T'as jamais joué mage, Asso? Sur lui, il y a un truc en fait. Oh, ça remonte pour le coup, ça fait bien. Alors, hop. Allez, c'est parti. Je prends pas les couilles de ta vie. Il a du point de vie par contre. Il a beaucoup plus de points de vie à deux. Hein. Tout ce que t'as à faire, c'est tanker à ce bureau là pour l'instant. Moi je remonte ma mana.
remettre full life au cas où. Prend tellement pas de dégâts. Il prend tellement pas de dégâts, bordel. Il a tellement de points de vie à deux. C'est un délire. Oh, oh mon dieu, j'avais plus là. Oh, j'avais plus la... J'avais plus la protection, il a failli moins de shot, on aurait pu wipe là-dessus. Ça aurait été trop triste, ça aurait été bien triste. Alors, encore plein de nouvelles âmes. Merci Asso. Logiquement, tu vas te téléporter. Au revoir Asso Bura. Merci à toi en tout cas. Bon, pour le coup, t'as rendu le boss plus dur qu'autre chose. Mais... Parce qu'en fait, il a servi à rien Asso. Et en plus, il leur a ajouté full point de vie. C'est terrible. Parce que là en fait moi le boss ça me bat très bien que ce soit sur moi, il me fait beaucoup de dégâts quand je suis sur ma barrière. Et en gros quand il est à 2 bah forcément il se scale quoi. Donc c'est à dire bah non, tu m'as bien aidé pour le niveau d'avant. Et pour ça je t'en remercie à Sobura, c'est très gentil. Tu m'as bien aidé pour le niveau d'avant pour le coup. Ok, alors donc là je viens d'avoir l'anneau du Ronin. On peut enlever encore un anneau. Hop là. Alors, il me reste encore donc raté, un détrempé, longévité, déséquilibre, attunation, chat ami. Alors, le chat, dans tous les cas, ça sera en New Game Plus. Ça sera en New Game Plus l'anneau du chat, quoi qu'il arrive, étant donné que ça sera auprès de Pat Lyon. Et voilà. Parce que la Pat chez moi, là, il est mort. Alors, et de l'autre manière, elle est chiante. Le prochain anneau, ça sera avec quoi? Attendez, on va check un peu. Alors, le prochain anneau. Raterne, c'est quoi Raterne? Raterne. Ah oui, sauver Signor Riddle, ce serait peut-être pas mal, ça, que je le fasse un de ces quatre. Ensuite, détremper. Ah, c'est le remake, lui. Ah, en 3-2. Derrière un pilier, ok, d'accord. Il faut que ça soit en pur black. Le 3. Ok, ça, je peux le rendre facilement en pur black. Donc là, je peux le faire ici. Le détremper, d'accord. Ok, ok, donc le détrempé, je peux encore le faire pendant ce run-là. Ensuite, longévité. Attends, je vais écrire détrempé 3, 2. Raterne. Non. Raterne, c'est quoi déjà? J'ai oublié, putain. Je confonds avec... Non, Raterne, oui, c'est Riddle, c'est ça, donc. Riddle, anneau du chat, Pat Lyon. Longévité. Ah oui, ok, il me faut une pierre tranchante pure. Pour Sparkly, attendez, une pierre tranchante pure. Est-ce que j'en ai une? Pierre tranchante pure. Oh là là. Pierre tranchante, c'est là. Pierre absorbante pure. Oh, je vois pas voir ça. Ah, c'est l'évolution de ça ici. Ok, je crois pas que j'en ai. Je crois pas que j'en ai. Non. J'ai pas la pierre tranchante pure. Faudra que je vois comment je la chope. C'est pas la quête où c'est du cristallin qui file quand tu le sauves, Jean-Michel. Sinon, c'est un bonus de la Deluxe Edition. Putain, donc il m'en faudra absolument une. Et une pierre tranchante pure, c'est comment qu'on a cette merde? Pierre tranchante. La pure, un fantôme squelette. Sur un fantôme squelette noir du monde 4-3. Il n'y a pas de fantôme squelette. Ouais, après, attends, on fait ça. Après, attends, deux secondes. Je l'ai fait dans l'heure, là, je suis en train de me faire mon petit truc. Mais on va peut-être faire ça, ouais. Non, c'est du 4-2, je pense. Ça doit être mal écrit, ça doit être du 4-2. Ça serait pas le mec au katana? Ah non, au 4-3?
Mais au 4-3, c'est là où il y a... Le 4, c'est le boss. Le 4-3. Il n'y a que le boss. Oui, 4-2. Est-ce que c'est pas les... Attends, fantôme squelette. Attends, c'est pas les squelettes noirs avec le double katana? Par hasard, qui file ça? Et c'est celui qui est au-dessus d'une petite butte? Ouais, non, je sais. Il y en a qu'un seul ou c'est chacun des mecs noirs? Ah non, au 4-2. 4-2, si, c'est bon, je vois où il est. Mais il y en a un plus fort que les autres. D'accord. Au 4-2, c'est là où tu vas choper d'ailleurs pour l'âme du démon incolore. Et que, en fait, quand tu remontes l'escalier, ouais, ok, je vois c'est qui. C'est bon, d'accord. Donc celui-là, attends, je vais faire, donc c'est 4-2, c'est pour longévité. 4-2, squelette noir. Ensuite, déséquilibre. Ah putain, c'est la pièce d'or. Ah putain, c'est la pièce d'or. C'est lui qui va être l'enfer. La pièce d'or sur les gros lards. Ok, et ensuite... Riddell, ok, elle est trempée, longévité, déséquilibre. Atténuation magique. Atténuation, c'est... Ah non, récupération, ça, non. Atténuation. L'arme pique phosphorescente. Est-ce que je l'ai, cette arme? La pique phosphorescente. J'ai la fin pour mon katana et l'anneau, putain. Alors, attends, est-ce que j'ai cette arme? Voyons voir ça. Pique phosphorescente. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je vais pas l'avoir cette merde. Salut Telvin! Anicroche. Ok, je l'ai pas. Et donc c'est soit avec la pique phosphorescente, soit... Un détour à proximité de la première porte de brume dans la zone du Valfangeux 5-1. Ok, bon, je vais trouver ça autrement. Je pense qu'on va plutôt aller prendre avec le 5-1. Sparkling me casse déjà les couilles. Donc ça, c'est atténuation magique 5-1. Et bac de l'ami, sentinelle. Ok, bon, bah je sais comment choper tous les anneaux qui manquent. Très bien, c'est bon, j'ai tout. Non, on peut pas échanger, je crois. Attendez. Je vais me semble pas. Attends, échanger, démon... Non, c'est que avec Sparkly, on peut pas échanger tout court. C'est que avec Sparkly. Ok, je reste avec vous pour le coup, je pense. Pas envie de prendre de pause. Je reviens juste me mettre. De toute façon, pour l'instant, c'est juste je vais mettre la bouffe à bouffer, ça veut rien dire. Ouh, c'est pas grave, je suis pas pressé. Et re. Coucou la pousse. Non, je suis en train de me faire manger justement. Enfin, préparer à manger. Ok. Alors, par lequel on peut commencer? La pierre tranchante pure, comme ça c'est fait. Je vais faire la pierre tranchante pure d'abord. Merci en tout cas de ton coup de main, Asso. C'est très gentil à toi. Merci, c'est bien urbain. Micheline, t'es où? Putain, elle est où? Faudrait que je repasse aussi. En tout cas, je vais pouvoir faire encore quelques anneaux dans ce run avant de faire le New Game Plus. Et ça, c'est cool. Je cherche Micheline en tout cas. Bah, je te dis de toute façon. Le but du jeu, c'est de le faire aujourd'hui, hein, donc je lâche rien tant que je l'ai pas fait. Ok. Merci à notre to kill. Hop. Ok. Alors, elle est où Micheline? Micheline! Elle est là. Alors, je voulais monter la magie en fait, hein, tout bêtement. À deux niveaux quand même. Okay. Ah, deux levels, c'est pas mal. Non, c'est vrai, en plus, je voulais plus monter la magie. Je voulais commencer à monter le taper et tout. Je voulais un peu taper au cac. Au cas où... Ah, quoique... Ouais, non. On va rester full magie sur lui, non pas foi. On peut encore augmenter les dégâts, donc bon. Ok. J'aurais peut-être pu monter la Vita, en vrai. J'aurais peut-être plutôt dû monter la Vita. Ok. Et avec le reste des âmes, je vais aller acheter de la mana. Parce que ça s'achète, pour le coup. Alors, attends, réparer l'équipement, déjà, ça sera fait. Et acheter un objet, épice fraîche, voilà. Améliorer une arme, bah non, hein, forcément. Ok. Donc on a dit 4-2, pierre tranchante pure. Je vais mettre l'anneau providentiel, je pense.
Ça sera du bon sens. D'avoir plus de chances de choper ça. Un eau providentiel. Donc là, en fait, pour finir ce run, de toute façon, il me reste que le 1-4 à faire et le... Tu joues à tes sauts. Je joue à tes sauts. J'aime bien le jeu. Je suis pas un fan d'un immense univers, mais j'aime bien le gameplay. Par contre, il est cool. Et enfin, j'aime bien le lore et tout. Il y a des trucs cool, mais c'est que j'ai un peu plus de mal avec l'univers occidental. Par contre, le streamer est un... Je suis pas un fan du stream, mais pour des raisons personnelles. Je peux que vous encourager, par contre, à le streamer. C'est juste que j'aime pas trop certaines choses qui sont faites là-dedans. Voilà. Mais c'est un très bon jeu Tesso pour le coup. C'est un des trois gros MMORPG intéressants, enfin des quatre gros MMORPG, parce qu'il faudrait un peu mettre BDO aujourd'hui. Dans les gros MMO qui marchent bien encore aujourd'hui, hein, Tesso, WoW, FF14, et BDO, qui sont je crois les quatre plus gros MMORPG du marché. Alors attends, que je me gourre pas, à chaque fois je me plante ici, c'est l'enfer. Alors. Ah putain, je suis en surcharge, mais non, attendez. Mettre en réserve. Non, pas le Chris. Bah non. L'épée sans poignée, c'est quoi ça? Je la connais pas, moi, celle-là. Ushigatana sans pommeau, sa lame sans. Délicatement, son réserve devant le tenir, devant la. Poncesseur devant le tenir par la lame. Et sans difficile à manier, il lui inflige des dégâts. Je sais pas quoi, ça va servir à un truc ça, mais je sais pas quoi par contre. Ça m'intrigue. Ok. Hitler, c'est un katana qui fait mal et qui te fait mal au passage. Bah oui, je me doute bien. Si tu l'as commencé à taper des mecs avec. En tapant une lame, enfin en chopant la lame, oui, c'est pas la folie. Ah, pas tout, et puis là. Alors. C'est ici. Je sais jamais c'est de quel côté par contre, attendez. Je sais jamais c'est quel côté. Je vais retrouver. C'est là? Je crois que c'est là. Pas du tout. Je suis allé au mauvais côté, c'est ça? Bah tiens, classique. Donc c'est que c'était en face. Très bien. Je tourne tout le temps. Non, j'ai jamais pris ce loot là. Shame on me quoi. Ah non, c'est un mode qui est là. Je l'ai équipé ou pas? Ouais, c'est bon. Parce que tu sais, je vais faire un run dex. Ah voilà, il est là. Je vais faire un run dex à un moment, mais je sais pas encore. Avec quel katana quoi. On va faire un run full dex. Et c'est lui, je suppose, qui est plus fort que les autres. Putain, les dégâts. Sachant que je suis en protégé, il fait mal. Hein. Il fait plus mal qu'il me fait mal, mais. Et donc, je dois aller le tuer lui en boucle, c'est ça? Mais quel enfer. Sans garde, il peut OS. Oui, sans garde. Ouais, moi, je joue avec la garde. Ah, putain. Ah, l'enfer. Et attends, comment on remonte? Oh là là. Attends, il y a pas moyen de revenir en arrière? Ah si, il faut remonter à chaque... Oh là là, attends. Et rebelote. Ouais, il faut que je trouve comment remonter. Hein. Je dois pouvoir optimiser le passage, mais... Taper à chaque fois, quel enfer, mesdames et messieurs. Ah ouais, il faut revenir à la pierre et tout. Oh putain, ça me casse les couilles ça. Ça va me casser les couilles ce truc là. J'ai pas trop la patience pour ça, moi d'habitude. Il y a pas d'autre. C'est quoi les autres manières d'obtenir la pierre tranchante pure? Je trouve ça chelou par contre qu'on ait pas d'autre manière. Attends, c'est eux, c'est sur eux là. Pure White Stone Demon Souls. Non, Pure White Tranchante. Y'a pas la quête avec Ostrava qui te la file? Non, c'est que ça, Zulan. Bon. Eh ben on va le faire en boucle. Allez, joie et bonheur. Parce qu'en fait, dès que j'ai la pierre tranchante pure, je chope un anneau direct.
Je vous ai dit que ça allait être le live de la passion, vous saviez pas? Bah voilà, vous savez maintenant. Ça va être le live de la passion. Le live du platine. Putain, c'est 9 putains d'anneaux, quel enfer quoi. Après, visiblement, on peut en choper sur n'importe lequel des... On peut en choper sur n'importe lequel du, des mecs, quoi. Des squelettes noirs. Mais ouais, lui, visiblement, a l'air d'enfiler plus. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Bon, comment tu vas, la pousse? J'ai vu qu'Arman avait donné des news, dis donc. T'es allé, Vice? Il y a du changement chez le Herman. Donc attends, là maintenant on va au petit, faut que je redescende. Et que j'aille en face. Oh merde. À faire autant grappiller des âmes, écoutez. Hein. Pas de touche, tu peux me faire un récap, tiens, au cas où, si je connais pas les trucs, je suis preneur. Vas-y, fais-moi un petit récap, s'il te plaît, là. Petite pousse. Là. Je dis petite parce que tu es, je sais que tu es petite, je t'ai vu quand tu étais chez Arman. Voilà, je sais. Alors. Et tu blaguais, je crois que c'était connotant pour les légumes, c'est vrai que je fais full légumes, attends, boulgour, quinoa. Haricots rouges et gyoza aux légumes frits, c'est fou le légume, c'est trop bien. Plein de bonnes choses.